Les jeunes sont les premières victimes de nombreux accidents dus la plupart du temps à l'insécurité routière. Au collège, l'éducation à la sécurité routière est obligatoire. Elle s'intègre dans le cadre des horaires et programmes sous une forme transdisciplinaire. Elle est dispensée par le prof d'histoire géo dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique. Cet enseignement est sanctionné par une attestation scolaire de sécurité routière. Cette attestation scolaire de sécurité routière, ASSR, de premier niveau s'adresse aux élèves des classes de cinquième ou de niveau correspondant et celle de second niveau aux élèves des classes de troisième ou de niveau correspondant. Le brevet de sécurité routière, BSR, est constitué de l'ASSR de premier niveau et de trois heures de conduite. Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans. L'ASSR de niveau 2 est obligatoire pour s'inscrire au permis de conduire. Pour obtenir l'attestation de sécurité routière de premier niveau, il faut réussir un test de 20 questions. Le but est que les jeunes acquièrent de vraies notions de code de la route et qu'ils prennent conscience de certains dangers comme les effets de l'alcool, du cannabis et de la vitesse qui seront analysés. Pour se présenter à cet examen qui a lieu en mars, il faut avoir 14 ans avant la date des épreuves de l'année suivante. Depuis 2004, l'ASSR, l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau, est obligatoire pour tous ceux qui ont eu 16 ans après le 1er janvier 2004 et qui veulent passer le permis. On le passe en classe de troisième, en seconde, première ou terminale si on a échoué avant. Les jeunes sont les premières victimes de nombreux accidents dus la plupart du temps à l'insécurité routière. Au collège, l'éducation à la sécurité routière est obligatoire. Elle s'intègre dans le cadre des horaires et programmes sous une forme transdisciplinaire. Elle est dispensée par le prof d'histoire géo dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique. Cet enseignement est sanctionné par une attestation scolaire de sécurité routière. Cette attestation scolaire de sécurité routière, ASSR, de premier niveau s'adresse aux élèves des classes de cinquième ou de niveau correspondant et celle de second niveau aux élèves des classes de troisième ou de niveau correspondant. Le brevet de sécurité routière, BSR, est constitué de l'ASSR de premier niveau et de trois heures de conduite. Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans. L'ASSR de niveau 2 est obligatoire pour s'inscrire au permis de conduire. Pour obtenir l'attestation de sécurité routière de premier niveau, il faut réussir un test de 20 questions. Le but est que les jeunes acquièrent de vraies notions de code de la route et qu'ils prennent conscience de certains dangers comme les effets de l'alcool, du cannabis et de la vitesse qui seront analysés. Pour se présenter à cet examen qui a lieu en mars, il faut avoir 14 ans avant la date des épreuves de l'année suivante. Depuis 2004, l'ASSR, l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau, est obligatoire pour tous ceux qui ont eu 16 ans après le 1er janvier 2004 et qui veulent passer le permis. On le passe en classe de troisième, en seconde, première ou terminale si on a échoué avant. 1. Il est nouveau Non, je viens de l'acheter au marché d'occasion, mais il est en très bon état. Puis j'en ai besoin pour aller à la fac. Il n'y a pas d'autobus près de chez moi. 2. C'est nouveau Oui, mes parents me l'ont donné. Je ne pouvais plus m'en passer. Il a un grand écran, et puis c'est léger, je peux l'apporter quand je vais à la fac. 3. Tu as encore changé Non. C'est celui de mon grand frère, il me l'a prêté parce que je veux prendre une photo de la classe. Mais il n'arrête pas de m'envoyer des messages. 4. Il est nouveau Oui, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est vrai que j'en avais déjà un, mais celui-ci est petit, léger et il a un flash automatique. 1. Il est nouveau Non, je viens de l'acheter au marché d'occasion. Mais il est en très bon état. Puis j'en ai besoin pour aller à la fac. Il n'y a pas d'autobus près de chez moi. 2. C'est nouveau Oui, mes parents me l'ont donné. Je ne pouvais plus m'en passer. Il a un grand écran et puis c'est léger, je peux l'apporter quand je vais à la fac. 3. Tu as encore changé Non. C'est celui de mon grand frère, il me l'a prêté parce que je veux prendre une photo de la classe. Mais il n'arrête pas de m'envoyer des messages. 4. Il est nouveau Oui, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est vrai que j'en avais déjà un, mais celui-ci est petit, léger et il a un flash automatique. Les classes de neige inventées à Praz. En mars 1950, pour la première fois en France, des enfants partaient en classe de neige. Une invention qui avait pour cadre le village de Praz-sur-Arly. Les premières classes de neige ont eu lieu à Praz-sur-Arly en Haute-Savoie. En effet, celles-ci se sont déroulées du 9 au 30 mars 1950, au chalet Les Bambineaux, qui s'appelle désormais le chalet Val-Soleil. Cette première française figure au livre des inventions. La formule était révolutionnaire pour l'époque. Toute la classe avait été transférée dans le centre de vacances pour trois semaines. L'initiative revient à l'institutrice, mademoiselle Muller de Changor, ainsi qu'à monsieur L'Orphelin, directeur du cours Victor Hugo à Paris, et à son épouse. Si les enfants bénéficient aujourd'hui de cours de ski et d'une multitude de loisirs, les élèves de l'époque avaient cours toute la journée. Ils pouvaient seulement effectuer des descentes en luge autour du chalet ou faire des bons hommes de neige en dehors des heures d'école. L'âge d'or des classes de neige est apparu dans les années 70. De nombreuses variantes de classes transplantées ont également été développées. Classe verte, classe de neige, classe découverte. Cette forme de tourisme est un enjeu majeur pour l'économie des stations. Les classes de neige inventées à Praz. En mars 1950, pour la première fois en France, des enfants partaient en classe de neige. Une invention qui avait pour cadre le village de Praz-sur-Arly. Les premières classes de neige ont eu lieu à Praz-sur-Arly en Haute-Savoie. En effet, celles-ci se sont déroulées du 9 au 30 mars 1950, au chalet Les Bambineaux, qui s'appelle désormais le chalet Val-Soleil. Cette première française figure au livre des inventions. La formule était révolutionnaire pour l'époque. Toute la classe avait été transférée dans le centre de vacances pour trois semaines. L'initiative revient à l'institutrice, mademoiselle Muller de Chongor, ainsi qu'à monsieur L'orphelin, directeur du cours Victor Hugo à Paris, et à son épouse. Si les enfants bénéficient aujourd'hui de cours de ski et d'une multitude de loisirs, les élèves de l'époque avaient cours toute la journée. Ils pouvaient seulement effectuer des descentes en luge autour du chalet ou faire des bonshommes de neige en dehors des heures d'école. L'âge d'or des classes de neige est apparu dans les années 70. De nombreuses variantes de classes transplantées ont également été développées. Classe verte, classe de neige, classe découverte. Cette forme de tourisme est un enjeu majeur pour l'économie des stations. Tu veux partir faire tes études à l'étranger Bonne idée. Tu peux choisir de partir dans le cadre d'un programme d'échange. Il y a toutes sortes de programmes européens, mais pour la plupart, le moment le plus favorable est BAC plus 3. Tu es peut-être encore un peu jeune. Tu peux aussi faire un stage d'études, à condition de savoir ce que tu pourras en retirer à ton retour. Et puis, pour faire un stage, il faut déjà bien maîtriser la langue au départ. Il faut aussi que tu obtiennes les papiers nécessaires. Les formalités dans l'Union européenne sont légères. Mais attention, pour un séjour supérieur à trois mois, tu devras demander une carte de résident ou de séjour valable un an. Et puis, il ne faudra pas attendre la dernière minute pour ton hébergement, par exemple chez l'habitant ou dans un appartement partagé comme dans le film L'Auberge espagnole. Il faudra faire un budget avec les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les transports, les loisirs, l'assurance. Il y a des bourses, et ta grand-mère a promis de t'aider. Et pour nous rassurer, tu devras te procurer la carte européenne d'assurance maladie. Tu veux partir faire tes études à l'étranger Bonne idée. Tu peux choisir de partir dans le cadre d'un programme d'échange. Il y a toutes sortes de programmes européens, mais pour la plupart, le moment le plus favorable est BAC plus 3. Tu es peut-être encore un peu jeune. Tu peux aussi faire un stage d'études, à condition de savoir ce que tu pourras en retirer à ton retour. Et puis, pour faire un stage, il faut déjà bien maîtriser la langue au départ. Il faut aussi que tu obtiennes les papiers nécessaires. Les formalités dans l'Union européenne sont légères. Mais attention, pour un séjour supérieur à trois mois, tu devras demander une carte de résident ou de séjour valable un an. Et puis, il ne faudra pas attendre la dernière minute pour ton hébergement, par exemple chez l'habitant ou dans un appartement partagé comme dans le film L'Auberge espagnole. Il faudra faire un budget avec les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les transports, les loisirs, l'assurance. Il y a des bourses. Et ta grand-mère a promis de t'aider. Et pour nous rassurer, tu devras te procurer la carte européenne d'assurance maladie. Les jeunes sont les premières victimes de nombreux accidents dus la plupart du temps à l'insécurité routière. Au collège, l'éducation à la sécurité routière est obligatoire. Elle s'intègre dans le cadre des horaires et programmes sous une forme transdisciplinaire. Elle est dispensée par le prof d'histoire géo dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique. Cet enseignement est sanctionné par une attestation scolaire de sécurité routière. Cette attestation scolaire de sécurité routière, ASSR, de premier niveau s'adresse aux élèves des classes de cinquième ou de niveau correspondant et celle de second niveau aux élèves des classes de troisième ou de niveau correspondant. Le brevet de sécurité routière, BSR, est constitué de l'ASSR de premier niveau et de trois heures de conduite. Le BSR est obligatoire pour conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans. L'ASSR de niveau 2 est obligatoire pour s'inscrire au permis de conduire. Pour obtenir l'attestation de sécurité routière de premier niveau, il faut réussir un test de 20 questions. Le but est que les jeunes acquièrent de vraies notions de code de la route et qu'ils prennent conscience de certains dangers comme les effets de l'alcool, du cannabis et de la vitesse qui seront analysés. Pour se présenter à cet examen qui a lieu en mars, il faut avoir 14 ans avant la date des épreuves de l'année suivante. Depuis 2004, l'ASSR, l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau, est obligatoire pour tous ceux qui ont eu 16 ans après le 1er janvier 2004 et qui veulent passer le permis. On le passe en classe de troisième, en seconde, première ou terminale si on a échoué avant. Il est nouveau Non, je viens de l'acheter au marché d'occasion, mais il est en très bon état. Puis j'en ai besoin pour aller à la fac. Il n'y a pas d'autobus près de chez moi. 2. C'est nouveau Oui, mes parents me l'ont donné. Je ne pouvais plus m'en passer. Il a un grand écran, et puis c'est léger, je peux l'apporter quand je vais à la fac. 3. Tu as encore changé Non. C'est celui de mon grand frère, il me l'a prêté parce que je veux prendre une photo de la classe. Mais il n'arrête pas de m'envoyer des messages. 4. Il est nouveau Oui, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est vrai que j'en avais déjà un, mais celui-ci est petit, léger et il a un flash automatique. Les classes de neige inventées à Praz. En mars 1950, pour la première fois en France, des enfants partaient en classe de neige. Une invention qui avait pour cadre le village de Praz-sur-Arly. Les premières classes de neige ont eu lieu à Praz-sur-Arly en Haute-Savoie. En effet, celles-ci se sont déroulées du 9 au 30 mars 1950, au chalet Les Bambineaux, qui s'appelle désormais le chalet Val-Soleil. Cette première française figure au livre des inventions. La formule était révolutionnaire pour l'époque. Toute la classe avait été transférée dans le centre de vacances pour trois semaines. L'initiative revient à l'institutrice, mademoiselle Muller de Chongor, ainsi qu'à monsieur L'Orphelin, directeur du cours Victor Hugo à Paris, et à son épouse. Si les enfants bénéficient aujourd'hui de cours de ski et d'une multitude de loisirs, les élèves de l'époque avaient cours toute la journée. Ils pouvaient seulement effectuer des descentes en luge autour du chalet ou faire des bons hommes de neige en dehors des heures d'école. L'âge d'or des classes de neige est apparu dans les années 70. De nombreuses variantes de classes transplantées ont également été développées. Classe verte, classe de neige, classe découverte. Cette forme de tourisme est un enjeu majeur pour l'économie des stations. Tu veux partir faire tes études à l'étranger Bonne idée. Tu peux choisir de partir dans le cadre d'un programme d'échange. Il y a toutes sortes de programmes européens, mais pour la plupart, le moment le plus favorable est BAC plus 3. Tu es peut-être encore un peu jeune. Tu peux aussi faire un stage d'études, à condition de savoir ce que tu pourras en retirer à ton retour. Et puis, pour faire un stage, il faut déjà bien maîtriser la langue au départ. Il faut aussi que tu obtiennes les papiers nécessaires. Les formalités dans l'Union européenne sont légères. Mais attention, pour un séjour supérieur à trois mois, tu devras demander une carte de résident ou de séjour valable un an. Et puis, il ne faudra pas attendre la dernière minute pour ton hébergement, par exemple chez l'habitant ou dans un appartement partagé comme dans le film L'Auberge espagnole. Il faudra faire un budget avec les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les transports, les loisirs, l'assurance. Il y a des bourses. Et ta grand-mère a promis de t'aider. Et pour nous rassurer, tu devras te procurer la carte européenne d'assurance maladie.